J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Voilà, continuez Servette. J'espère que ça nous a pas tout niqué, mais normalement, on devrait être au début d'un mercato, il me semble, sauf erreur. Voilà, 28. Ah non, on a la fin de mercato. Ouais, voilà, il ouvre là. Voilà, voilà, exactement. Juste avant le mercato. Oh, d'accord, le prochain match, c'est... D'accord, ok. Maintenant, on est où dans le... Ah oui, d'accord, ok. J'ai bien compris. On passe ça, et voilà. Là, on arrive au mercato, les amis. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé déjà ? On va se souvenir un petit peu de tout ce qui s'est passé parce que je sais même plus pourquoi lui il part. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Allons voir la boîte mail. Bola appelé rap. Ah, Bola a été rappelé par son club. Oui, parce qu'il a pas assez joué chez nous. Ok, ça marche. Bola, faudra qu'on vérifie sur l'équipe 2. Prêt arrivé. Expiration, rapport mensuel, on ira voir. Frick a quitté le club, voilà. Offre de prêt pour Gilles, ça c'est intéressant. Donc on va aller voir notre petit Gilles qui a 64 de général. On avait déjà accepté un prêt, du coup on va déléguer ici, on va mettre prêt normal parce que c'est une petite pépitas qui peut éventuellement bien monter. Et donc du coup on va aller voir le rapport aussi des jeunes, où c'est qu'on en est. Alors là, est-ce qu'on avait déjà fait un plan de développement ici? Ouais, dans 4 semaines. Ça finit dans 4 semaines je crois. Donc on va encore attendre un peu, mais on a des potentiels vraiment très intéressants ici, hein. On va pas se mentir. Et derrière, du coup, il faut qu'on aille voir notre équipe 2 pour voir si Bola était dedans ou pas. Ouais, Bola était dedans, parce que là, ça a remis Koumendi. Du coup, il faut qu'on trouve un défenseur droit de remplacement pour l'équipe 2. On a déjà Tsunemoto, donc c'est bon. Donc on est bon avec ça. Et l'équipe 1. L'équipe 1. Normal, hein. Franchement, pour l'instant, ça va être sympa. Ça va être sympa. Il faudra qu'on arrive à trouver éventuellement, après, pour les postes, il nous faudra un milieu centre et deux défenseurs centraux. Parce que Ongene, c'est un prêt. Et Reyes, on aimerait le revendre le plus rapidement possible. Parce que c'est pas un jeune. Et du coup... enfin, quoique, 23 ans, Reyes, ça peut... Quoique, peut-être que Reyes, on va le garder. Peut-être que Reyes, on va le garder. On verra. Mais ce serait pas mal de trouver un milieu centre, quand même. C'est vrai que j'ai le rapport mensuel, celle-là. Voilà. Alors, rapport mensuel ici, non... Non, il n'y aura rien, je pense. Peut-être le dernier, mais pas sûr. Non, non, il n'y a rien de bien fou. Est-ce qu'on va pas demander à nos... Est-ce qu'on va pas regarder tout d'un coup... Voilà, recruteur disponible. Voir rapport. Wow. Ah oui, on avait plus de thunes, je crois, sur lui. Voilà, là, on a pu... Du coup, est-ce qu'on peut engager un nouveau? Ah, ils sont pas assez puissants. Putain, j'ai pas de thunes, ok. Est-ce qu'on veut pas tout d'un coup rappeler... On va en rappeler un pour mettre plutôt défensif, d'accord. On va aller voir aussi, du coup, la petite pépite qu'on vient d'acquérir, qui est ici. Oh là là. Alors, AC, MOC, BU. Il y a beaucoup trop d'attaquants pour l'instant. Alors... Il a pas mal de finitions, mais il est meilleur en... Ok, précision, coup franc, effet, dribble, agilité. Ouais. Passe courte aussi, très très bon. Ouais, c'est clairement un milieu offensif, hein, on va pas se mentir. Là, on est sur du milieu offensif, hein, pur et dur. 22 semaines? Ah, peut-être pas, alors, du coup. Attends, mais pourquoi aussi longtemps? Ah non, il veut vraiment rester assez, en fait, apparemment. Après, il peut rester assez, ça me dérange pas, mais... Ok, je pensais. Pokémon, ça remet. Du coup, il faut qu'on augmente clairement son jeu de passe et sa vitesse, éventuellement, finition. Je pense que Perforateur, ça peut être sympa. Je pense que Perforateur, ça peut être sympa, mais... attaquant meneur de jeu, c'est ce qui me semble lui correspondrait le mieux, en vrai. Vas-y, on va mettre ça. Mais tu vois, j'ai trop d'attaquants, en fait. Donc là, il faudra vraiment que je cible... Non, je vais cibler même pour les deux. Pour mes deux recruteurs, je vais cibler des jeunes. Donc on va les modifier après. On avait dit, on va aller voir éventuellement les joueurs libres. À tout moment, il y a des joueurs qui sont libérés. On sait jamais.
Fraser, on l'avait pas réussi à le prendre. Et puis, ben, Léa Ebola, s'il est passé à 74, j'imagine que là, il doit être assez cher à 21 ans. On va les retirer de toute façon. Et on va aller voir. Chercher joueur. Agent libre. Est-ce qu'on a des défenseurs centre libre? Déjà, il y en a. Il y en a. Il y en a, mais pas énorme. Ouais, 30 ans, c'est... Non, pas fou. On va voir les milieux. Oh, un bon MDC ici. Hein. Sacré stat. Hein. Mais après, oh, 17 ans, des fois ça peut être assez fou. Très complet aussi, Romo. Mais après, comme on a dit, on n'a pas forcément envie de tomber dans la facilité de prendre tous les. Ok. Bon, pour l'instant, non. Du coup, on va rester comme ça, hein, pour l'instant. Je pense pas qu'on va faire de grands changements sur ce mercato, les gars. Off de prêt pour Souza. Donc Souza, c'est aussi une petite pépitasse. Et je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on a beaucoup d'autres joueurs offensifs qui vont arriver. Donc du coup, on va déléguer et on va mettre de prêt d'un an. Et on verra ce que ça donne. Tenue de l'Europa League. Là, on doit jouer le tour de... Un tour de barrage, je crois. Ok, bien arrivé, prêt à travailler, parfait. Et off de prêt pour Souza aussi. On va mettre... Pareil. Délégué. Près d'un an. Et du coup, on va aller leur donner les informations pour nos nouveaux recruteurs. Donc du coup, bureau. Pas du tout. Transfert. Personnel de jeûne. On veut ici des mecs plutôt défensifs. Est-ce que j'ai envie d'aller en balancer un en Italie? Ça peut être sympa. Italie. Ah, c'est vraiment par poste, quoi. Tu peux pas mettre défenseur. Ok, donc il nous faudra un DC. On va faire 3 mois. On va faire 3 recherches pour un DC. Parce que lui, on va chercher. Vas-y, en Europe centrale. J'ai envie de tester en Suisse. Tenter le truc. Et là, on va se mettre 9 mois. Et donc, il y en a un qu'on switchera à chaque fois. On peut pas faire de sub sur mobile? Je crois pas, frérot, je crois pas. Allez, les prêts qui s'en vont, c'est parfait. Lui, je pense que quand il va revenir, ce sera une bombe basse. Hein. On aurait dû noter à combien ils partent. Accord de prêt. Court terme, vas-y, pourquoi pas, on peut tenter, on verra bien ça donne. J'ai le prêté, mets en place un réseau, donc on est bon. Ah, je pense pas qu'on va faire de recrutement ici. Off de prêt pour Lozano. Hop là. On est bien avec l'équipe qu'on a, on verra jusqu'où on peut aller. Tomber sur un accord, accepter, c'est bon. Retrait de l'offre. Ok, la gantoise est partie. Bah, de toute façon, c'est pas grave, il va accepter l'autre. On envoie les petits jeunes en prêt le plus rapidement possible. Je vais voir mon effectif parce que. Voir si on est tout ok en termes de... Antuna, c'est bon, Kipeni. Ouais, on est bien. On est très très bien. Il va juste falloir par la suite... Il a quel âge, Borza? 18 ans, ouais.
Va juste falloir par la suite éventuellement... on peut aller un bout avec cette équipe. Hein. C'est Bouffal qu'il faut changer le plus rapidement possible. Antuna aussi, j'aimerais bien. Et Chavez. Donc il faut... et les défenseurs centraux parce que c'est un prêt. Pour l'instant, ça va. Fofana est convoité. C'est pas de soucis, il peut partir. J'ai essayé de le prolonger, il a pas voulu. Jérôme Nguené est au meilleur de sa forme. Super, ça on touche jamais parce qu'au final on est tout le temps en perdant. Off de prêt pour Bennett. Alors Bennett, ouais, c'est malheureusement un mec. Je suis pas forcément que ça va donner grand chose. Mais bah écoutez, laissons-le partir vers d'autres horizons et voyons ce que ça peut éventuellement donner. Voilà, Fofana est parti à Young Boys. Gratos, il était en fin de contrat. Espérons que, espérons pour lui qu'il rebondisse parce que chez nous il a jamais vraiment réussi à trouver sa place. Bennett, court terme, accepté, c'est parti. Bennett va s'en aller. Fofana, ok, il est parti. Pour l'instant ça va, hein, on est dans la gestion. Mais il va falloir vendre aussi offre de transfert pour Doulin. Ah, ça peut être intéressant ça. 1 million. Est-ce que vraiment on a besoin d'un million? On va y négocier plus, on va mettre une grosse offre. Si on peut, on prend, mais sinon non quoi. Panique ta mère. Il veut pas, hein. Dégage, hein. C'est fou ça. Ah, le prêt de Brennett est déjà rejeté. Oh bah super. Mais le défaut, dernier moment ça capote, tu sais pas pourquoi. Une offre pour coûter ça. Alors ça c'est non. Hein, je vous le dis clairement. C'est rejeter l'offre. Et écoutez, ben là cette session de transfert malheureusement, enfin entre guillemets malheureusement, on va pas en faire grand chose parce que ça va pas nous intéresser. Nous, là il faut vraiment qu'on vende à la fin de l'année. On gagne 3-2. Chavez, Koumbedji et Bouffal qui marquent. On perdait 1-0 quand même. Attention. Mais on gagne. Classement, on est où là? Ouais. On a 10 points d'avance. Hein. On a 10 points d'avance. Hein. C'est fou. On est plutôt bien. Du coup, si je regarde l'équipe encore une fois... Non, j'ai rien besoin. Non, on y va, on avance. On va même skipper la fin du truc là. On va skipper la fin du mercato, pas besoin. C'était pas ça que je devais faire, c'était ça. Et voilà. Allez. Allons-y. Rapport mensuel, le transfert pour... Laissez écouter ça tranquille, il partira nulle part. Il partira nulle part, Derek, c'est quelqu'un sur qui je compte. Alors, est-ce qu'il a fini son plan de développement, lui? Une semaine, donc non, c'est bientôt. Lui, il a fini ou pas? 17 semaines, ah. Putain, mais pourquoi c'est aussi long? 12 semaines. C'est long de ouf, hein. C'est long de ouf, hein. Je recommande de revoir le plan de... Non, laissez le plan de jeu tranquille. À chaque fois, vous me fatiguez que ça. Domicile, championnat. On peut simuler aussi ici. Tant qu'on a masse points d'avance, on va pas se prendre la tête, on gagne encore. Encore un but de Bouffal. Bouffal et Antona sont chauds, hein. Bouffal et Antona sont chauds, ça fait plaisir. Le slow. Aujourd'hui, on va du coup changer et jouer avec l'équipe 2, bien évidemment. Comment je fais pour changer? Personnaliser peut-être? Non. Parce qu'on m'a dit que je... Ah, changer compo. Voilà. Ah non. Si. Ah ouais, attends. Ouais, c'est vrai que j'ai balancé des... Ouais, mais je... Ouais. C'est pas grave. On y va comme ça. On gagne 2-0 quand même avec l'équipe 2. Doublé de Bouffal. Bouffal, il est en on fire. Hein. Bouffal, il est on fire, les gars. Et on arrive justement à ce fameux match. Du coup, c'est aller-retour aussi ou... J'imagine. Je sais pas trop.
On a les rapports mensuels. Ça, c'est cool. Alors, chez les petits Suisses, on a peut-être... non, je crois qu'on va rien avoir ici, malheureusement. Malheureusement, ici, il n'y a pas de joueurs trouvés qui peuvent vraiment devenir quelqu'un. Dommage. Et un autre rapport mensuel ici. Toujours avec des défenseurs, mais cette fois-ci en Italie. Et là, peut-être. Peut-être Conti. On va regarder. Peut-être Conti. Lui, non. Lui non plus. Peut-être Conti. Alors, du coup. Équipe. Centre de formation. Donc, ce Conti, qu'est-ce qu'il nous raconte ? 1m66. Ouais, bon. Bon. Force, agressivité. Ok. Ouais, il est complet. Mais tu vois, tacle de bois, quoique, ça... Est-ce qu'on va mettre un latéral vraiment, ou est-ce qu'on essaie de le repositionner en défenseur central? J'ai peur, en fait, défenseur central. Vas-y, on va tenter, hein. Dans notre but d'avoir des décès, il nous faut des décès. On va tenter, les gars. On va tenter, on verra ce que ça donne. Et jour de match, les amis. Antwerp. On voit leur équipe ici. Coup d'envoi. On joue avec l'équipe de base. Le prochain Gattuso. Pas faux. Et jouer temps fort, bien évidemment. Donc là, c'est pour continuer. On a fini deuxième de notre groupe d'Europa League. Et là, je crois que c'est le barrage. Allez, good luck. C'est chez nous. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, les petits potes. Ça va le faire. J'en suis persuadé. Ah. Royal Antwerp. Contre-attaque. Non. Ouh, on est chaud. Eh hey, mais des actions pour moi s'il vous plaît là. Pourquoi on se fait dominer? On attaque. Fall. Oh, l'arrêt. Oh, l'arrêt qui nous met. Oh, le bâtard. Allez, allez. Non. Non. Bien, gardien. Superbe euphorie. Il y avait hors-jeu, je crois. Possibilité de centre. Ok, vas-y. On déborde. Antuna, il est en forme, hein. Faut rentrer dans les 16 avec lui, hein. Hop, je l'ai pas vu, lui. Corner. Et pas facile, hein. J'ai peur, les gars. Je commence à avoir peur. 52ème. C'est une attaque pour nous. Bien, euphorie. J'aime pas ça. Attention, attention.
Tranquille. Voilà. Contre-attaque. Let's go. Magnifique. Magnifique. Oh! Non, les arrêts, c'est trop, les gars. Ça, c'est le script. C'est les arrêts, c'est... On est d'accord que les arrêts, c'est trop. Oui! Fofana. Mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Il a été... Ah, il est pareil, Yumba, c'est la fin de la saison. Bah, merci d'être rentré. Tu nous aurais été utile là-dessus. Allez, 85ème. Juste pas prendre de but, les gars, et ça va le faire. Sur un coup franc, je crois. Magnifique. Victoire. Après, je sais pas si c'est aller-retour, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Je vais pas faire semblant. Mais continuons. Voyons voir ce que ça dit. Putain, des grosses équipes. Hein. À tout moment, on peut déjà, prochain tour, jouer une dinguerie. Hein. Ouais, ok, c'est aller-retour. Ça marche. Boîte mail. Qu'est-ce que ça dit? Je recommande de voir... Ouais, mais ça, franchement, ça commence à me fatiguer. La vérité, ça commence à me fatiguer de ouf. Ça, c'est vraiment un truc chiant dans la gestion des carrières. Je sais pas si quelqu'un a des solutions, mais ça te... Chaque jour, ça te demande un truc, quoi. On va du coup faire jouer l'équipe 2. On est obligé... Non. Bon, j'ai mis jouer match, pas grave, on va le skipper. Alors... C'est jusqu'à la fin. 0-0 contre Young Boys avec l'équipe 2. Ça fait plaisir. Ok, bah va falloir être solide sur le match retour, les gars. Va falloir être très très solide. Le plan de jeu, c'est fatigant. Allez, tous, joue là. Coup d'envoi. Jouez temps fort. Les amis, il va falloir faire un bon résultat ici. Et on continue dans l'Europa League. Sinon, j'imagine qu'on est reversé en dessous. J'imagine, vu qu'on a fini deuxième, on va pas se faire éliminer de toute compétition, je pense. Je peux me tromper. Mais il y a tellement des beaux clubs à affronter que ça ferait plaisir de passer là. Alors la gagner, bien évidemment que non, hein, ça va être mission impossible. Après, bon, on n'est jamais à l'abri, mais... Oh, dommage. Il a donné, hein. Il a donné sa personne, hein. Éliminé. Ah ouais. Ah merde. Je pensais au moins qu'on était reversé quelque part. Bon, bah on va se concentrer. Ah, donc des fois, t'as mis le temps de finir troisième, quoi. Au final... Si on prend un but, on va stresser, hein, je vous le dis. Faut juste bien défendre. Bien. Contre-attaque, s'il te plaît, laisse-la. Oui. Hors-jeu. Ouais, j'ai mal joué. Oh, yeah. Et merci pour le sub, T-Dors. 4 mois, merci infiniment. Déjà 4 mois qu'on est là. Hein. Même plus, peut-être. Impressionnant. Là, il y a un contre un à jouer, là. Full tempo. Gardien. Bien. Servette adresse à un long centre. Ok, pourquoi pas. 88ème, je pense que ça sent bon, les gars. Je pense que ça sent bon, hein. À part s'ils égalisent là. Belle faute. Bien. C'est fini. Ok. Les gars, c'est la qualif. Du coup, on continue l'aventure en Europa League. J'ai un peu peur de savoir qui c'est qu'on va jouer.
Mais bah, on va être au courant assez rapidement de toute façon. Et alors, ça va donner. On va voir. Allez, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Accueil, classement. Du coup, là, on est toujours très très bien. Et donc, du coup, Europa League, les amis. Real Betis, sympa. Bon, oh putain, il y a un Milan-Liverpool. Ah, dommage. J'aurais bien fait Milan-Liverpool, Real, ça aurait fait kiffer. OM aussi, ça aurait été cool. City, oh là là, on aurait kiffé de ouf. Par contre, l'Europa League, c'est avec les champions. Hein. Putain, il y a qui encore en Ligue des Champions, en vrai? Il y a United, Bayern, Paris. Ouais, elle va être pour Paris ou Barça. Paris, Barça, Bayern, hein, ça va être... c'est assez ouvert, hein, quand même. Il y a toujours Young Boys. Ok. Bon, bah, on verra. Hein. On verra. Franchement, j'aimerais bien passer encore un tour, mais là, ça va être... ça va être dur, hein. On gagne 2-1. Eh, les gars, en championnat, on a quand même construit une équipe de fou. Hein. En championnat, on est quand même très, très bien. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ne pas avoir besoin de simuler ou de rentrer dans les matchs. Voilà, on a une grosse équipe. Voilà, on perd, mais bon. On a une grosse équipe. C'est logique qu'on arrive à gagner des matchs. On fait vraiment une bonne saison. Du coup, l'année prochaine, c'est sûr qu'on sera en européen. J'aimerais que vous changez. Non, je change rien, moi. Rapport mensuel sur les jeunes, let's go. Ah, lui, il a fini. Plan de développement. Du coup, on l'a mis DC. Donc, s'il prend du général, comme d'habitude, c'est un bon choix. Sinon, ben, on a mal fait. Il a pris plus 1. Pourquoi pas? Du coup, on va lui mettre full défense, hein, vraiment. C'est ce qu'il faut up à chaque fois sur les défenseurs centraux, bien évidemment. Ouais, libéraux, c'est bien. Libéraux, c'est bien. Ah, dotation, on a pris combien? 600 000, ah seulement. Ah, je pensais que ce serait plus. D'accord. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus, quoi. Jour de match. On doit jouer avec l'équipe 2. Parce qu'on a, du coup, le match. Allez. Des huitièmes de finale. Merde. Qui arrive? Simu jusqu'à la fin. 0-0. Voilà, on a perdu quand même 4 points. 6 points d'un coup. 5 points d'un coup. Une défaite et un match nul. Et les gars, on y arrive. Rapport mensuel, let's go. Ah, alors, trouvons une petite pépitasse là, s'il vous plaît. Je crois que j'en ai vu un. Je crois que Thomas Frey, ça peut être une dinguerie. Ça peut-être, on verra. On espère. Et en Italie, franchement, j'en veux 2-3 et après j'arrête, hein. Histoire d'avoir une base défenseur de jeunes, ça pourrait être vraiment cool. Oh, 82. Lui, les gars. Oh, les gars, elle est là. 3 600 000. Il coûte à 17 ans déjà. Oh là 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 là. Alors là, les gars, je crois qu'on a la pépitasse. J'ose même pas imaginer sa note de base. 68 à 17 ans. Why? Alors, 1m88, très bien. Gaucher, très bien. Il est pour l'instant DC, logique. Ses meilleurs stats, c'est la force, la détente, l'agressivité, les tacles debout. Ouais, c'est un défenseur central, booste-le, hein. Booste-le en physique et défense, et c'est tout ce qui se passe, hein. Défenseur central, point barre. Hein. Je crois que c'est ça, les gars. Hein. C'est le régène de qui, du coup? Je pense que c'est pas un régène, puisque c'est la première... Non, mais les régènes, ils viennent pas en... Je crois pas qu'ils viennent en... Je crois pas qu'ils viennent en... En centre de formation. Et Fred, tu vois, 62, mine de rien, il se défend. Moins fou. Alors, il est défenseur gauche, mais il est droitier. Donc, on va le mettre défenseur droit, déjà. On va le mettre défenseur droit, déjà. Bon pied, c'est important.
Attends, parce qu'à tout moment, en fait, j'ai pas regardé, mais à tout moment, c'est un défenseur central. Ouais, parce qu'il a pas de vitesse, un défenseur central, point barre. Voilà. Voilà, s'il te plaît. Ok, eh ben, elle est folle. Et on joue notre premier match, 8ème de finale contre le Real Betis, les amis. Ça va être tendu. On va jouer les temps forts, bien évidemment. Et on va espérer en prenant un petit bout de croissant. Ouais, parce que j'ai faim. Incroyable, hein. Incroyable, là, celui qu'on a trouvé. On s'est dit, pour les défenseurs, l'Italie, ça reste quand même, tu vois... Pour ceux qui connaissent l'ancien football, toujours eu un football défensif, les Italiens. C'est pour ça qu'on allait là-bas. Ça a marché. Il y a 2-1, c'est la fin... Oh non, ouais, tu vois, frère, c'est cheaté. Ils choisissent eux. Là, tu vois, ils ont choisi le score et voilà, quoi. En gros, il n'y a plus qu'une action et moi, j'en aurais pas. Oh! Oh putain, faut pas le rater. S'il te plaît, Guimeno. Non, j'ai pas confiance en toi. Il a raté hier aussi. Putain, Guimeno, il a raté, c'est pour ça que j'ai changé. Je suis un gamin. Je suis dégoûté. Tu comprends ce que c'est le script, même dans FIFA, dans mode carrière? Comme par hasard, il l'arrête. Ouais, c'était sûr, bah oui, c'était évident. Je ferai pas l'autre attaque. Par contre, tu vois qu'ils mettent deux, enfin, c'est dégueulasse. Tu vois, ça devrait pas arriver, ça. Il est arrivé comme un pélican. Après 2-1, ça reste ouvert, quoi, mais... Contre-attaque. Voilà, contre-attaque super, quoi. Putain, mais ils ont combien d'actions en 2 secondes, là? Et j'en ai pas une, moi, oh enfin, j'ai eu le penalty, mais... Gardien. Ok, bon, 2-1. Je crois, hein. Pas si on décidait de mettre un but en plus, on sait jamais. Ok. Bon, bah, les gars, le match retour va être compliqué, hein. Il faut gagner. Obligation de gagner au match retour. Donc là, on va de nouveau mettre l'équipe 2 pour pas les fatiguer. Jérôme joue les matchs comme un gros con, c'est pas grave. Tout va jouer au retour, ouais, bah, comme d'hab, hein. De toute façon. Des fois ça peut être voilà mais... D'ailleurs on va regarder le classement. Je regarderai le classement de Super League après parce que là on a quand même perdu 6, 1, 2, 3, 4, 7 points. Bon les gars, notre saison en tout cas en Europe se joue là. Allez, espérons que ça passe. Ça va être très dur. Et on va pas cheater, hein, bien évidemment, on va jouer les temps forts, on ne se permet pas de... Notre but c'est de gagner comme ça, tu vois, c'est pas de jouer les matchs, parce que si on joue les matchs, ce sera peut-être un peu plus simple que les temps forts, vu que les temps forts, bah ça dépend pas que de nous, quoi. Allez! Soyons solides, les gars! Yeah, c'est possible, on peut le faire! Toujours 0-0, voilà. Au moins, on a un temps fort peut-être logique. J'ai envie de mettre tout en bas à côté ça. Non, il y a un deuxième joueur. La passe était par contre pas bonne. Hein. Ouais, toujours nous en attaque, toujours 0-0. J'allais célébrer. La tête de ma mère, j'allais célébrer. Allez les gars. Allez les gars, on peut le faire. T'as Bouffal, heureusement qu'on l'a pris, hein. Heureusement qu'on a pris le petit Bouffal, hein.
Toujours 1-0. là, on est. Non, il n'y a plus le but à extérieur. Là, c'est prolongation. Super Breyes. Oh putain. Encore une fois, il part en solo. La lumière de Guimeno en danger. Est-ce qu'il a raté? Possible. Superbe, les gars. Superbe. Ça fait 5 fois qu'il part en solo. On peut comprendre. Heureusement que c'est pas le plus rapide, hein. Ok. 3-0, on a gagné. Non, bah alors là, les gars. Alors pour une fois que c'est dans ce sens-là, parce que l'année passée c'était tout le temps dans l'autre sens. Bon bah allez, ça passe les gars. Non mais je savais. Oh là là, attends, mais qui c'est qui a marqué? J'ai pas les noms. Oh, je suis déçu. Ah si, Guimeno. Ah, on allait en prolongation. Et Guimeno a marqué. Et Reyes a marqué. Ok, trop cool. Let's go les gars. Ah, let's go. Trop beau. Alors attendez, qui c'est qui est passé? Liverpool est passé. Séville est passé. Leverkusen, bon arrêtez, il fallait garder le Real. Bergame. L'OM a mis 7-1 aux Rangers. Villarreal passe. Et la Rome est limite. Les gars, c'est ouvert. Il reste Liverpool. Séville. Leverkusen. Séville-Leverkusen, on peut rêver de gagner. Bergame, on peut rêver de gagner. OM, on peut rêver de gagner. Villarreal, on peut rêver de gagner. La Rome, on peut rêver de gagner. On va la gagner. Tout de suite. 1 200 000, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est pour la qualif ça. Allez, on va juste jouer ce match-là vite fait et voir après en termes de classement où c'est qu'on en est, les petits potes. 2-0, parfait. Alors, en termes de classement, on en est toujours premier. Ouais, ça va, on a toujours 8 points d'avance, donc c'est cool. Et d'ailleurs, c'est bientôt terminé tout ça. Du coup, on va aller voir contre qui on joue, hein, prochain match de Ligue Europa. On les retrouve. Hein. On les a joués dans notre groupe de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Moi, je pense que ça va être Liverpool, Séville et Villarreal. Mais c'est beau de voir Servette là, quand même. En vrai. C'est magnifique. Et la Ligue des Champions? Non, ça c'est l'autre. Ça s'en fout. LDC, Barcelone, Benfica, Manchester United, Lens, incroyable. Il y a deux clubs portugais, deux clubs espagnols, deux clubs français. Bizarre. Manchester United le retour, les gars. En tout cas, je suis Portugal United là. Hein. Ça, c'est clair. Petite pause là qui est. Pause internationale, ça fait du bien de pouvoir se reposer. Nickel. Plan d'entraînement, ça commence à me devenir fou. Ah, les changements de poste sont prêts. Fry. Donc, on a mis. J'ai pas vu. Je crois qu'on a augmenté. J'ai pas fait gaffe. Mais je crois que bien qu'on a augmenté de... Ah oui, 62-65. Oui, on a bien augmenté. Du coup, lui, il nous faudra... ouais, de la défense. Voilà, on va pas se prendre la tête. Hein. Interception. Je vais enlever l'interception. Voilà, peut-être ça. Ou ça. Vas-y, stopper. Très bien. Là, les gars, on commence à avoir des petits jeunes... Au final, il n'y a pas grand-chose à envier hein, pour l'instant, en notre général. Hein. Alors, jour de match, coup d'envoi, simulation rapide.
Ah, on perd 2-1. Ok. Un faux pas ici. On va quand même rester à l'affût hein, de la saison pour pas la laisser passer comme ça. On veut être champion. Rapport mensuel. Alors après, est-ce que c'est intéressant de les prendre directement et de les incorporer dans l'équipe? On peut en définitive. Enfin, je... Ah, lui, c'est mort. En fait, il y en a déjà, c'est mort, tu sais, et... Genre, Conti... ça va être nul. Gallardo, malheureux. Bon, après, 82-88, c'est pas dégueulasse, hein. Mais bon, on a déjà assez. Campos, lui, il peut, mais... Après, il a 16 ans, ouais. Non, non, je pense que là, tout cela, là, c'est tous des pépitas. Je me demande si le prendre dans le club est... Je pense qu'il faut faire ça, les gars. Je pense qu'il faut que je prenne Greco. Je pense que ça va être ça. Je vais le mettre dans l'équipe 2. Parce que ce qui se passe, c'est que Ongene va partir, hein, c'est un prêt. Donc je vais pas le garder, Ongene. Du coup, je mets Greco ici. On prépare le futur. Et je crois que je vais prendre aussi Frey directement. Pour leur dire, voilà, on vous fait confiance, les gars. Vous allez être dans la deuxième équipe. Vous allez faire quelques minutes, déjà cette saison. Et la saison prochaine, on va réfléchir à si vous jouez ou si on vous prête. Frey, c'est un peu faible, non? Frey? Non. Moi, je trouve pas. Ça peut devenir sympa, on verra. On peut toujours avoir mieux, bien évidemment, mais après, on verra, quoi. Bah, d'ailleurs, vous allez jouer votre premier match là, les gars. Le premier match de mes petites pépites en défense centrale contre Bâle. C'est sympa de commencer contre eux. Non. Tac. Ah non. Tu vois, ça m'a pas mis l'équipe 2. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est pas la bonne équipe, hein. Ah si. Ah, je suis déjà en équipe 2, en fait. Ah oui, c'est bon. Allez. On perd 2-1. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Mais c'est bien de les avoir fait jouer. C'est bien. Par contre, là, on va surveiller. Bon, Rome, match. Allez. Rapport mensuel. C'est parti, les petits potes. Alors, attendez. Déjà, est-ce que je peux pré-shot un mec qui serait éventuellement une pépite? Pour moi, il n'y en a pas. Hormis peut-être lui et encore. Non. Non, maintenant, on va vraiment. Hop! Je suis trop vite. 1 400 000, il y a peut-être un truc à faire. C'est pas grave, on s'en veut pas. 1 500 000, lui on va le prendre. Bah tu vois, j'ai bien fait. Parce que je veux pas en avoir trop non plus. Rapport mensuel. 160 000, non. 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 Ce serait sympa de faire une carrière en mode... Tu essayes de prendre que des pépites suisses, quoi. Sorrentino. Qu'est-ce qu'il me raconte, le Sorrentino? Il me dit quoi? Qu'il a beaucoup de détente, qu'il a beaucoup de tacles debout. Ouais, bon, ouais, c'est un vrai défenseur, quoi. Y a pas à chier. Un vrai passant de passe courte, il est intéressant. Les gars, est-ce que c'est pas un milieu défensif, lui? Non, hein. Non, arrêtons de vouloir mettre des milieux défensifs partout à chaque fois. Et toi, Peter, qui es-tu? Oh, fort. Ouah, l'agressivité! T'as vu l'agressivité du... Ça va être... Lui, ça va être mon boucher. Par contre, il a pas de défense. Enfin, tu vois, très peu de défense, en définitive, en termes de... En fait, lui, c'est un MDC. Lui, c'est un mec, il est pas talentueux. Quoique, en fait, regarde aussi les puissances de frappe, tir de loin. En fait, limite, lui, c'est un MC. MDC, je pense, hein.
MC il peut être intéressant. Le problème c'est qu'il prend rien en stat passe longue, passe courte. Non mais il est intéressant en passe aussi hein. Vas-y, on tente le MC derrière avec Alex Peter. En plus j'aime bien son nom. On peut modifier les noms des joueurs qu'on recrute ou pas? Bon, on rigole, mais là, les amis, c'est maintenant. Bonne chance à tous. La Rome, match aller chez nous. Ça s'est mal passé quand on était en phase de groupe avec eux contre eux. Quoique, on est allé chercher un match nul là-bas. Pour justement se qualifier. Oui, avec un mode, tu peux changer. Ouais, mais d'accord, sur PC, pas sur Xbox. Salut Bubu, ça va et toi? Franchement, les années prochaines, si je fais que de la carrière, hein, tout d'un coup, si je m'amuse peut-être un jour à refaire de la carrière, limite, j'ai envie de refaire... prendre que des jeunes, ça, à chaque poste, et tu les appelles en nom de ce qui ressemble. Paul Scholes, David Beckham, tu vois, etc. Ça peut être rigolo, quoi. Allez, les gars, on se focus, hein. Ah, mais j'ai joué le match? Non, dis-moi pas ça. Les gars, on va porter nos couilles. On passe à la simulation. On regarde. On suit le match. Ah. D'accord. Non, mais bon, c'est pas grave. But d'engagement, c'est pas grave. Dommage. Pas son but tactique, c'est bien en vrai. Vas-y. Ah oui, tu vois, ouais, c'est pas mal, hein. Mais tu vois pas bien, quoi, je trouve, quoi. Ah, tu peux faire une vue. Ah oui, comme ça. Ah ouais, c'est cool, ça. Non. Non. Ouais, elle est super, la vue. Ah, tu peux mater les autres caméras et tout. Ouais, c'est sympa, en vrai, hein. J'aime bien. Joue le match. Non, les gars, c'est pas le but. On va pas lancer une carrière avec Servette et gagner l'Europa League de la première année, les gars. C'est normal. Essayons de rester un petit peu réaliste, même si ça ne l'est de toute façon pas à la base. On a le temps. Moi, je prends pas de plaisir à tout gagner de la première année. Et c'est pas fini, hein. Moi, j'y crois. Regarde, là, on a une action. Manager. Ouais, mais vu manager, il est devant, frère. Faute ! Non ? Bon. C'est sympa à suivre comme ça aussi, hein. Bon, dans le milieu de terrain, on est les trois les uns sur les autres, là. Oh là là, non, il s'amuse. Ouais, aïe. Ok. Bon. Il va falloir... Bon. On va du coup se concentrer sur... sur le championnat. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui est blessé? Bon, vas-y, coup d'envoi. Attends, j'ai pas vu. Simulation rapide. Ça va pas être facile. Hein. Les gars, on doit gagner 3-0. Bonne chance à nous. Et c'est tellement réaliste là, oui, bah oui, c'est logique. Hein.
Servette contre-attaque, regardez ça commence de là, 1 minute 40. Ça c'est une contre-attaque ça. Là j'ai une attaque là. Esport, s'il vous plaît. Roma, possibilité de centre. Tout part de là. On récupère, on va marquer. Oups, je suis parti un peu loin. Oh, le tac qu'il a mis. Ouais, mais... C'est violent, hein. Ah ! On gagnait 2-1. Putain, dommage, hein. Il y avait presque moyen. Mais au moins, pour l'honneur, on va peut-être battre la Roma chez nous, quoi. Et ça, c'est beau, ça. Oui, beau tac, bravo. Toujours 2-1, dommage. On aurait peut-être aimé un petit exploit, genre, ils mettent 4-1, tu sais, comme par hasard. Ça aurait été beau. Je vais le sécher. Ah bien sûr que j'allais le sécher. Obligé. Ah ça va. Toujours 2-1, mais malheureusement il n'y aura pas de miracle les gars je crois. On va monter Bouffal sur un malentendu. Non, pas de malentendu. Victoire 2-1, mais élimination, messieurs dames. Ah voilà, c'est pas grave, on a fait une belle... On a fait une belle épopée. C'est beau. Alors oui, on passe pas. Liverpool passe. Marseille met un 4-0. Waouh. Ah c'est beau, hein. Bergame. J'avais tout vu faux. J'avais dit Séville, c'est Marseille. Bon, Liverpool, j'avais dit. Ouais. Ah c'est normal, première année on peut pas espérer, voilà, nos petits jeunes ont besoin d'aller bien plus loin encore. Animal Bridge Brie, nanana, suspension purgée, je recommande, ouais bah comme d'hab tu recommandes à chaque semaine et ça commence à être un peu fatigant mon petit pote. Coup d'envoi ici, on y va, on va continuer du coup bah maintenant pour ce match uniquement. On gagne 1-0, but de Antuna. Et du coup, on va aller voir un peu le classement, c'est qu'on en est là, parce que à tout moment, on peut être champion dans peu de temps. Ah oui, tu vois, c'est ça exactement. Ah bon, on commence maintenant le tour de championship, c'est ça? Tu vois, c'est exactement ça, la nouveauté. C'est voilà, tu vois, les meilleures équipes vont faire un tour de championship. Et les autres en match relégation. Non, c'est pour cette saison déjà, Juju. Ah, c'est pour la saison prochaine? Non. Non, regarde, les matchs à 23 avril. C'est maintenant, hein. Si je vais sous calendrier, comment ça se passe, du coup? Ça, je connais pas du tout, hein. C'est la première fois qu'on fait ça chez nous. 1-2... 3, 4, 5. On joue 5 matchs seulement. Et après, il se passe quoi après les 5 matchs? Putain, j'ai peur. Mercato, non? Bah ouais, non, mais qui c'est qui va être champion? Enfin, c'est bon, allez, on va voir. Coup d'envoi. On va se permettre de jouer les temps forts ici. Putain, ils sont cramés, mes joueurs. J'aurais peut-être dû faire gaffe à ça. Ouais mais seulement sur 6 matchs? Non mais c'est comme en Belgique, mais en Belgique je sais pas comment ça fonctionne en fait. Là je vais faire un changement vite, je peux ou pas? Non. Dommage.
Ouais, mais c'est pas pour les coupes européennes que je pose la question, c'est pour moi je veux surtout être champion en Suisse, quoi. Oh, la passe est mauvaise, dommage. En tout cas, on domine. Le centre est mauvais, le centre est mauvais. Attention les gars, hein. Parce que moi là, je sais pas comment ça se passe, hein. En vrai, c'est la première fois en Suisse qu'on a une saison comme ça. Oh. Oh, je crois qu'il était tout seul. Oh, j'ai le seum. Oh putain, non, 0-0, c'est mauvais. On a pris un rouge. Oh, allez, là, tout de suite. Du coup, comment ça se passe? Je comprends rien. Je comprends rien. Ah bah si, playoff, tu vois, ça compte dans les playoffs, ça. Parce que là, on est 11, 12, 11, 22, 33. Il faut jouer 44 matchs. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Tu vois, là, ça influe plus ici, les résultats. Là, c'est fini. Ah, attends. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je crois. Ce classement-là a été figé, a été reversé dans les playoffs, avec le nombre de points, etc. D'accord ? Et là, on continue le championnat avec uniquement les grosses équipes. On va devoir jouer 11 matchs, dans la logique. Donc, aller-retour. Et après, on fige le classement. C'est pour ça que là, tu vois, malgré mon match nul, je suis encore à égalité avec Bâle. Donc les points comptent pour les playoffs, ce qui est logique, hein, parce que ce serait un peu con de... Qui c'est qui est suspendu? Écoutez ça, putain, pète les couilles. Par contre les gars, en termes de fatigue, là je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ça va, Bouffal, ça va au final. Vas-y, joue les temps forts. Là c'est les playoffs les gars, hein. On essaie un peu les temps forts. Bah t'as vu, les temps forts avant ça m'a pas aidé, hein. J'ai pas été bon. Allez, il faut qu'on essaie d'aller chercher le titre les gars. On avait beaucoup de points d'avance, on a fait une mauvaise fin de saison, mais on a enchaîné les matchs, donc du coup c'était pas forcément facile. C'est aussi pour ça. Et là on va... Quoi toi? Mais des buts cheatés, nous aussi on sait le faire, hein. Ça va être contre-attaque, c'est pour nous les gars. Ah, je pourrais rien faire sur l'action d'avant, non? Oh, et faute! Mais vas-y! Et ça nique mon action du coup. Ah non, c'est bon, trop bien. C'était pas fait exprès, c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Par contre, faut pas faire un match nul, hein, je vous le dis. Hein. Plus une demi-heure en fait, on peut siffler. Putain, voilà, je suis dedans. Là, je suis dedans. Passe en profondeur, Guimeno. Passe en profondeur. T'es nul, Guimeno. Pardon. Non, le 1, putain, les gars. Non, on va pas. On va perdre le titre, je le sens. Cette fin de saison va être affreuse. Je sens qu'on va vivre un truc affreux. Ils ont fait quoi, Bâle? Rapport mensuel sur les jeunes, ouais, c'est pas le moment.
Ils veulent que je négocie avec Ongene, quoi. Comment je fais? Après 26 ans, non, je veux pas négocier, tu pourras retourner dans ton club. On est repassé devant, malgré, ça les gars. Allez, là on joue Zurich, ça doit être normalement 3 points. Vas-y, Kaloga, je m'en fous. Dégage, j'ai pas le temps. Vous savez quoi, on va prendre un risque. Mais je fais confiance à mon équipe. Ça va être... Allez là, c'est beau. T'as Gimeno qui a raté un penalty, dis-moi pas ça. Ongene qui prend un rouge, mais putain, Ongene. Allez, on a peut-être fait le bon plan là. Ok, oui, on a fait un bon plan. Ah non, ils ont pas joué. Faut que j'espère qu'ils perdent. Je vois le classement vite fait. Ils ont perdu. Les gars, on a 4 points d'avance. Pour moi, on va jouer 8 matchs là. Non, il y a 6 équipes. Je sais plus. Pour moi, on va jouer 10 matchs là. Allez. Zurich. C'est les derniers, on va gagner. Je fais confiance à mon équipe. Simulation rapide. Remplacer automatiquement pour ce match, oui. 1-1, c'est pas grave, pas de défaite. Oh, c'est serré. Oh, vous voyez le match qui arrive là, les gars? Servette balle. Rapport mensuel. Non. Lui peut être dingue. Colombo, ça vous rappelle pas, non? Les gars, on n'avait pas déjà notre buteur l'année passée qu'on avait eu au début du jeu, ça s'appelait pas Colombo, les potes? Il était pas suisse aussi? On l'a retrouvé. Attends. Attendez. DC. Il a quoi? Détente, endurance, force, agressivité, tac debout. Waouh! Oui. Mais quoique, putain, mais encore une fois, je suis désolé, mais je vois des stats pareils. Pour moi, c'est un milieu centre, en fait, aussi, quoi. 84 semaines, c'est pas un milieu centre. Ok. MDC? 13 semaines. Il mesure combien? 1,89. Ok, c'est bon, TDC. Ça va. J'ai compris. Du coup... Là, on va avoir un pur tueur, là. Je vous le dis, les petits potes. Là, la saison prochaine, tout ça, ça vient dans le club. Hein. Servette balle. Les gars, là, il y a vraiment moyen d'aller chercher le peut-être titre. On joue chez nous, contre le deuxième. On peut les mettre à... 5 points, je crois. Allez. Pâle part en solo. Ah, bah j'ai encore un défenseur. Et c'est Reyes. T'inquiète pas que tu passeras pas, mon pote. Chla! Je t'avais dit que tu passerais pas. Contre-attaque. Oh, ça c'est beau, ça. Ça va être contre-attaque. Non, t'abuses, mais je me fais engueuler. Vous vous rendez compte que vous m'engueulez, les viewers? Vous êtes beaucoup trop... Vous êtes beaucoup trop impliqués, je vous le dis. Ah. Vous êtes beaucoup trop impliqués. Oh putain, il va vite. Ah ouais. Ok.
où je vais frapper. Ah merde, je pensais que je l'avais. Dommage. Possibilité de centre pour le FC Bâle. FC Basel. Non. 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 Ouais, bien gardé. Hein. Ah merde, balle en attaque. Putain, j'aurais peut-être dû pas troller. Hein. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Te fais pas le malin, toi. Non, mais ça va, il fait le malin. C'est bon. Tranquille, saut-dessus. Servette FC, possibilité de centre, messieurs, dames. Je suis désolé, mais là, Ah, c'est dur. Aïe. T'as troll. Non, mais ça va, mais arrêtez. Toujours premier, 2 points d'avance. Quoi, tu me mets des... Ça va, hein. C'est fou, ça. C'est dur. Attends, stop, attends. Attends, je suis champion. Attends, qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de match. Oh. J'ai rien compris, frère. Calendrier. Bah, je suis champion. J'ai pas compris. Les gars, je crois que je suis champion, ça ne m'a même pas rendu compte. Je comprends pas. Ah, j'ai... Ah, y'a qu'un seul tour? Donc du coup, on joue... Ah oui, parce qu'avant on avait 9 équipes dans le championnat, donc 10 équipes, donc 9, 18, 27, 30, on jouait 36 matchs. Et là du coup avec cette nouvelle, on joue 38 matchs. Donc du coup les gars, en fait je suis champion. C'était le match pour le titre. Oh merde, je suis champion les gars. Oh putain, c'est trop... Mais non, mais pas comme ça. On est champion avec Servette, première saison. Oh là là, oh le kiff, oh oui. Oh là là, vous me voyez, je suis en bas, moi. En bas, en train de faire... Hey, coucou. Les gars, j'ai payé 60 balles chaque match, je suis là. Ouais, je te jure. Trop bien. Première saison. Oh là, on va aller loin, hein. Parce que là, en plus, on a des petits jeunes là pour... Je pense que la saison prochaine, ça va être plus compliqué en termes de gagner le championnat. Parce que là, on va vraiment essayer de se faire une équipe de full gamin, quoi. Quand je dis gamin, c'est maximum 20 ans. Donc ça va être sport, là. Ça va être très sport. Eh ben, nous sommes champions. Félicitations à nous tous. C'est tout ce qu'ils me disent, y a aucune félicitation quoi, y'a rien. Ah quand même. Ah non. Bah non, rapport mensuel les gars, on se fait un petit rapport mensuel encore. Bah vas-y hein. Vas-y hein. Bon, défenseur central on en a un petit peu trop, donc faudra en balancer un en prêt de toute façon. Ce sera sûrement Peter. Hein. Et nous on va garder Sorrentino et Colombo pour... Ce sera ça les gars. Quoique hein, Sorrentino ça peut ne pas devenir fou hein. À voir, hein. On n'est pas sûr. Hein. Mais ils me disent pas bravo. Non. Dessus. Je crois qu'il n'y a rien du tout ici. 275, 200, 450, 200, 100, 230, 220. Bon, de toute façon, nous, les gars,
Parce que attends, là le mercato il est ouvert ou pas? S'il est ouvert, j'arrête ici et on reprend la prochaine fois pour commencer les travaux. Pour commencer les gros travaux. Parce que là, limite, on va devoir regarder. Oh putain, merde. Il faut 4 millions. Mais j'ai pas de budget. Il va falloir regarder. Mercato fermé. Mercato fermé. Ok, il ouvre ici. Non mais. Attends, je suis où moi? Alors on peut simuler jusque là. Et là on arrive. Retour de prêt. Oh putain. On va avoir beaucoup de choses à gérer. Mais je crois que je vais arrêter là les gars. On a retour de prêt de Souza, de Ondoua, de Lele Diba, de Touati. Ok, il y a ça même bien progressé. Ok, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à aller voir. On ira voir ça, les gars, sans se spoiler. La prochaine fois. Ok, donc parfait, on peut continuer. Bon, logique, on est champion, j'imagine bien qu'ils allaient nous garder. Et du coup, bah parfait, en plus, ça fait 1h11 là. Du coup, nous, on se capte demain. Et demain, je pense qu'on ira voir directement ce qui se passe dans le club. Le projet va pas être de faire une équipe compétitive pour la Ligue des Champions parce qu'on n'a pas le budget pour et on n'a pas la qualité d'effectif pour. Le but va être là, sur cette saison qui va être une saison de transition, d'avoir une équipe limite avec des 64, 65, 69 de général, mais qui vont être que des gamins de 18 ans max, quoi, tu vois. Dans l'optique que cette équipe-là va être l'équipe qui va nous suivre le plus longtemps possible. On va tous leur mettre des contrats de 5 ans. Et on a 5 saisons pour gagner avec des champions. En sachant que la saison 5, on aura normalement des générales avec des 82, 88, 86. Tu vois, c'est vraiment le but. On va essayer de trouver des pépites là sur toute la saison. Oula. Yesport, ok, merci. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder bien évidemment. Sauvegarder et quitter. Voilà, comme ça c'est bon. Servette. Voulez-vous écraser? Oui. Et c'est fait. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup de taf la semaine prochaine. Enfin non, c'est demain. Ça sera beaucoup, beaucoup de recherche de pépites. Éventuellement des régènes. On va aller voir qui c'est qui a fini. Parce que là, il n'y en avait pas. Là, c'est la première saison où on peut avoir des régènes. Donc les régènes, c'est quoi? C'est des gros joueurs. Par exemple, Benzema, s'il a fini sa carrière, ça veut dire que dans le jeu a été remis un jeune qui va faire la qui va avoir le potentiel de Benzema, qui va avoir entre 16 et 19 ans, tu vois, entre 15 et 19 ans, quoi. Et du coup, ça les trouver, c'est super important parce que ben ça te permet de savoir que ce jeune là, ben, c'est une pépite. Et les trouver tôt, ça te permet de les sécuriser pour 5 ans de contrat et du coup d'avoir le budget pour quand t'es un petit club comme Servette. Parce que je vous rappelle que nous, on peut pas négocier des gros joueurs, c'est impossible. On ne peut pas faire venir des gros joueurs même si on gagne la Ligue des Champions et qu'on a un milliard de budget, quoi. Pas possible. Step Seiko, bye tout le monde. Ciao les gars.